دكتور استاذ بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بمكناس puis qui sera suivi par professeur Leila Chalkaoui de l'université Hassan II et puis par monsieur Mustafa Chekdeli qui nous parlera sur l'impact psychosocial de la pré-séisme. بعد أن تحل الكارثة ويبدأ التحليل العلمي طبيعي جدا أن يتدخل رجل القانون من أجل إيجاد حلول كفيلة لهذه الأزمة ثم كذلك البحث عن الوسائل التنظيمية التي من خلالها يمكن أن نواجه هذا الحدث الفجائي أو هذا الظرف الاستثنائي خاصة سواء تعلق الأمر بالجانب القانوني أو بالجانب المتعلق بما هو لوجستيكي أو مادي باعتبار أن الدولة هي أم المؤسسات فإنها تسعى انطلاقا من أدوارها الدستورية وكذلك القانونية أن تجد حلا لهذه الكارثة إما باستعمال الوسائل القانونية ونحن نقصد بالوسائل القانونية مجمل التشريعات التي يمكن من خلالها تدبير هذه الكارثة أو مادية ونحن نقصد بها كذلك مجموعة من الوسائل اللوجستيكية التي توفرها الدولة أو البشرية وهي تلك المتعلقة بالأطر الإدارية والتقنية التي تمكن من إيجاد حلول ولو لحظية لهذه الأزمة لمواجهة حالة الطوارئ بما في ذلك اتخاذ تدابير ذات طابع اقتصادي او مالي او اجتماعي او بيئي. الفصل 31 الذي يتحدث عن استفاده جميع المواطنين على قدم المساواه من الحق من الاستفاده من الخدمات الاجتماعيه. دونك سي با كيلكو شوز دانودان كي كوندو كولي Personne, les victimes doivent gérer, métaboliser, comprendre et symboliser. Donc ça touche tout le monde. Et il y a des manifestations des émotions, bien sûr, négatives face aux risques qui abondent, comme la stupeur, l'incertitude, la peur et ainsi de suite. Le désastre peut être identifié par les caractéristiques de l'événement, par son impact et par l'ampleur des dommages qu'il a causés. Il y a des métaphores. Il y a une psychologue québécoise qui s'appelle Yin Bernier qui a donné une métaphore d'une poupée. Quand on prend une poupée et on la fait tomber, le résultat de cette chute va différer selon le matériau de cette poupée. C'est-à-dire, si elle est construite en porcelaine, va être bien évidemment cassée. Si elle est faite par du chiffon, ça va être autre chose. C'est-à-dire, comment la psychologie est façonnée de chaque individu. Parce que le traumatisme est un concept très relatif et il diffère d'une personne à l'autre, même si on voit... Ça fait-il, c'est le tremblement de terre de Lisbonne qui a touché le Maroc. Et en même temps, il y avait un tsunami. Donc, il faut parler de la parce que le tsunami, et c'était un champ, normalement, qui... où il y a vraiment cette phobie, Haïfa, Haïfa al-Bahar, Haïfa al-Mouajda. Ça veut dire qu'on est déjà au 14e siècle. Donc il y a 4-5 siècles après. Ce qui veut dire, ce qui est plus important, ce n'est pas le tremblement de terre. C'est l'homme qui subit le tremblement de terre. Et je remercie mon collègue professeur, il a parlé de beaucoup de choses touchant à la psychologie des victimes. D'accord? Alors, le tremblement de terre de l'Haouz, il était analyseur. J'explique ce que ça veut dire analyseur. Il y a l'analyste, nous sommes tous des analystes, on essaie de comprendre et analyser une situation. L'analyseur est un événement qui a. Qui analyse la situation et que l'analyste doit capter, c'est-à-dire l'analyseur pour comprendre. Donc en fait, ce tremblement de terre, il a révélé un grand analyseur
qui est la solidarité des Barbarins. C'est une grande femme, très bien. Pourquoi on peut se poser la question, j'avais dit ça à la télé, c'est parce que nous sommes un peuple, une culture millénaire. Les spécialistes, les psychologues, mais nous n'avons pas ceux qui agissent dans l'urgence et qui doivent être directement attachés aux sapeurs-pompiers, aux secouristes, dès le départ. Des formations qui touchent un peu à cet aspect de l'urgence. Le tremblement de terre à la rigueur, ça arrive. Et finalement, la catastrophe devient double. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui tombent, mais il y a des personnes qui tombent. Admettons, si c'est la